Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur la quatrième partie des défis de relax de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles, soit de vous rendre à Grizzly Groove juste ici, soit de vous rendre au-dessus de Grizzly Groove juste ici, voilà. Ou alors vous vous rendez près de la cascade de réalité, juste ici. Juste ici, ici et l'autre ici. Donc voilà, plus ou moins approximatif de ce que je vous ai montré, des emplacements des pings que je vous ai montré. Donc dès que vous arrivez près d'un appareil de liaison, en haut à droite de votre carte, vous voyez le symbole apparaître. Donc vous avez juste à passer sur ce symbole. Et là, le symbole disparaît sur votre carte et vous avez terminé la première étape du défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de visiter la Sono des Sables pour trouver l'holochrone des sites échoués. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre exactement juste ici pour terminer le défi. Donc là, on va aller se rendre à l'emplacement que je viens de vous montrer et on va aller voir ce qu'il faut faire. Je pense que normalement, il faut juste visiter le lieu, hein. Pour réussir le défi. Donc là on y est presque. Donc c'est sur la plage. Ok, on peut voir qu'il y a un bateau. Non, ça c'est normal, c'est le bateau aléatoire. Ok, on peut voir qu'il y a des lumières violettes. Et là, regardez, il y a la Sono des Sables qui s'y trouve. Donc dès que vous aurez découvert ce lieu, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'examiner les indices pour trouver l'emplacement de l'holochrone des sites. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici, à côté de la cascade de la réalité. Voilà, vous vous rendez juste ici et vous allez voir qu'il y a des points d'exclamation. Vous allez devoir interagir avec tous les points d'exclamation, donc c'est des indices pour terminer le défi. Donc là, regardez, il y en a un juste ici. Il y en a un autre qui se trouve derrière la Sono. Voilà, deuxième indice. Et le troisième indice, il se trouve un peu plus loin par là. Donc un peu plus loin sur la plage. Voilà, donc juste ici, vous avez le troisième indice. Dès que vous aurez interagi avec les trois indices, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions, deux emplacements. Soit vous vous rendez au-dessus du L de Logjam, donc juste ici. Ou soit vous vous rendez un peu plus haut vers la route près d'ici. Donc moi je vais me rendre au-dessus du L de Logjam. Hop, je mets mon petit ping. Et normalement quand je vais arriver près de l'emplacement, il y aura un petit symbole que vous pouvez voir en haut à droite de ma carte. Donc là j'ai juste à passer sur l'appareil de liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite le prochain défi va vous demander d'obtenir une anomalie à Logjam Lotus et à la floraison de Buter. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Logjam Lotus, donc juste ici. Et le deuxième emplacement, c'est la floraison de Buter qui se trouve ici. Donc je vais m'y rendre plus tard. Donc là d'abord, je vais chercher après l'anomalie qui est à Logjam. Donc normalement, ok, je la vois, regardez, elle s'est affichée sur ma carte. Il y a un petit point d'exclamation, donc je vais me rendre à cet emplacement. Et je vais chercher après l'anomalie. Ok. Ah ok, elle est juste là. Parfait. Non. Non. Donc je la récupère vite. Hop. Et là maintenant, ben, sûrement je vais me faire tuer. Donc dans la prochaine partie, j'irai directement à l'autre emplacement. Au deuxième emplacement. Parce qu'en fait, il faut vraiment obtenir les deux anomalies pour terminer le défi. Hein. Si vous en obtenez qu'une seule à Logjam, ça ne fonctionnera pas. Il faudra aller à la floraison de Butter, donc au deuxième emplacement. Après, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Même si c'est préférable, je vais quand même essayer de le faire en une seule partie. Ok, donc c'est parti. Je vais me rendre
La deuxième emplacement qui est la floraison de Buter en dessous de Rocky Reels. Ok, donc là j'arrive à la floraison de Buter. Donc normalement le lieu devrait se découvrir, voilà, parfait. Et l'anomalie normalement ne devrait pas se trouver très loin. Ok, donc l'anomalie se trouve juste ici, regardez. Ça c'est une anomalie parce que ben qu'est-ce que ça fout là quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Donc voilà, vous obtenez la deuxième anomalie. Et dès que vous aurez obtenu les deux anomalies, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez à Synapse Station sur le A, donc vraiment ici, hop. Ou soit vous vous rendez au-dessus du I de Synapse Station. Moi, je vais me rendre au-dessus du I parce que ben, voilà, c'est plus proche. Et là, regardez, quand je m'approche de la liaison, sur ma mini-carte en haut à droite, on peut voir le logo de réseau qui apparaît. Donc, vous allez tout simplement passer sur la liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir un dispositif de suivi à Synapse Station. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Synapse Station et juste ici, dans le bâtiment de droite, vous allez pouvoir obtenir ce dispositif. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre dans le bâtiment de droite. Voilà. Et regardez, là, le dispositif est juste ici. Donc, récupérez ce dispositif pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauter dans une benne à ordures pour trouver des matériaux. Alors, les bennes à ordures, c'est tout simplement ces bennes-là. Mais il faut qu'elles soient ouvertes parce que regardez, la benne-là, elle est fermée. Donc, vous ne pouvez pas sauter dedans. Donc, il faut trouver une benne à ordures ouverte pour se cacher dedans. Donc, les bennes à ordures, vous allez en trouver principalement à Tilted Tower. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici. Ensuite, vous sautez dans la benne à ordures. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fabriquer une fausse relique au bosquet assoupi. Alors, au bosquet assoupi, vous rendre à cet emplacement, c'est tout simplement ici à Sleepy Sound. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là, donc c'est le bosquet assoupi. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir fabriquer une fausse relique. Donc regardez, hop, vous allez juste ici à Sleepy Sound, vous fabriquez la fausse relique. Et comme ça, bah, vous terminez le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez trois possibilités. Soit vous vous rendez ici, il y a un emplacement d'appareil ici. Il y a un emplacement d'appareil près de l'eau, juste ici. Attendez, j'ai mal placé le ping. Voilà, juste ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Donc moi, je vais aller à l'emplacement qui se trouve ici près de l'eau. Comme ça, je vous montre l'emplacement. De toute façon, quand vous allez vous approcher de l'appareil de liaison, vous avez toujours le petit logo en haut à droite pour vous aider à le trouver qui s'affiche sur votre mini carte. Donc là, regardez, on peut le voir, il est derrière le bateau. Donc pour terminer le défi, vous avez juste à passer sur la liaison pour établir la liaison et terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver l'endroit de la bamboche où l'holocrone des sites est conservé. Donc là, vous allez devoir trouver l'emplacement. Donc normalement, je pense que c'est dans le coffre, hein. Mais on va vérifier ça. Donc ici, vous voyez, regardez, il y a plein de points d'exclamation. Donc c'est peut-être même pas dans le coffre. Ok, non, c'est même pas dans le coffre. Donc regardez, trouver l'endroit de la bamboche a été réalisé. Donc en fait, vous avez juste à venir ici, là où il y a l'eau et les matelas, enfin voilà, hein, dans la bamboche. Vous cassez l'emplacement de la porte de garage, vous venez ici et là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'ouvrir de force des caisses pour trouver l'holocrone des sites. Donc vous allez devoir vous rendre ici à la bamboche, juste ici, regardez, il y a plein de points d'exclamation, donc je vous montre l'emplacement exact, hein, c'est juste ici. Voilà. Donc vous entrez, vous cassez le garage. Voilà, vous cassez le garage. Vous entrez ici et là, vous avez des caisses. Et vous allez devoir détruire les caisses pour trouver, voilà, pour trouver ça. Prendre l'holochrome des sites. Donc dès que vous aurez obtenu cet holochrome, et ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.
Et voilà qui termine le guide complet de la partie 4 des défis de relax de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.